Alors, j'ai vu sur Twitter avant de couper l'ordi que il y aura une fusillade à l'entrée 8 du circuit. Il y aura eu une fusillade donc à l'entrée 8 du circuit pendant les essais 2, en fait, tout simplement. Ça aurait été révélé sur F1 TV par le commentateur belge là, Vigneron. Donc, je cite, on me chuchotait juste avant de venir dans la cabine qu'il y aurait une fusillade à l'entrée 8. Ah, juste avant de venir dans la cabine, c'est peut-être avant le début de la séance, du coup. C'est un délire. C'est un délire. Ils cherchent peut-être Marco, du coup. Ils ont cru que c'était lui, ils ont tiré. Et c'était pas lui, du coup. Ouais, je rigole, mais bon, c'est pas drôle en vrai, parce que c'est le Mexique, hein, voilà. Tout ça, tous ces pays d'Amérique du Sud, n'est-ce pas, comme dirait Marco, justement. Ça craint un peu, hein. Bon, je sais pas, faudrait recouper les sources, voir s'il y a d'autres sites ou d'autres gens sur Twitter qui en parlent. Pour l'instant, j'ai pas vu passer d'autres posts à ce sujet. Donc si vous avez des infos, dites-moi. Mais moi, bon, je vais me coucher, moi, maintenant, c'est bon, quoi. Hein. On verra si ce qu'il y en est demain, voir s'il y a eu des infos supplémentaires sur ça, ou si c'est qu'une rumeur sans fondement. Je vous laisse commenter.